Ces derniers temps, j'étais très déçue par l'organisation. Ce n'est plus la qualité du début. C'est comme tout, ma chérie. On appâte le client, puis après, on s'en fout. Tu te souviens de Marco? Terrible! Et Angelo? Quelle partie! Le minet italien? Il n'y a rien de mieux sur le marché. Sensibilité féminine et virilité masculine, savamment dosées. Où habite-t-il? C'est un soir très près de chez moi. Et celui que tu viens de recevoir? Eric, je crois. Comment est-il? Oh, eh bien, tu vois, c'est pas tout à fait le minet italien. Mais c'est plutôt l'homme de Cro-Magnon. Je te fais confiance pour le civiliser. Oh, c'est en bonne voie, merci. Hop, allez, hop là. Une petite pause nous fera du bien. Oh, pas ici en tout cas. Pourquoi pas ici? Oh, c'est un mauvais souvenir. Lequel? L'année dernière, un invité de mademoiselle a profité de moi. Non. Vous pouvez pas savoir ce qu'il m'a fait. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Eh ben, lui aussi, il voulait se reposer. Alors, il m'a entraînée. Où? Dans une grosse meule. Oh. Eh ben, tenez, comme celle-là. Là-bas? Et arrivé là, il m'a poussée dans la paille. Comment? Oh. Comme ça. Poussée comme ça? Oui, et après, il s'est mis à me tripoter tout à son aise. Comme ça? Bien sûr. Comme ça? Oui, et puis il s'est mis à me flotter les seins. Oh. Comme ça? Oui, comme ça. Là, en bas? Et puis avec la main, eh ben, il me trossait. Exactement comme vous êtes en train de le faire. Quand on parle du loup... Vous ne croyez pas qu'il a exagéré? Oh, mais il y en a, vous savez, c'est inimaginable. Excusez-moi.